Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi et à partir d'aujourd'hui, je filme les audios du mardi et je les mets sur la chaîne YouTube Fourou Pas Capois. Si tu veux aller voir, inscris-toi. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, va voir sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux aussi aller voir sur SoundCloud, tu auras juste le son. Ça peut être intéressant aussi pour toi. Alors, je vais commencer cet audio tout particulièrement en félicitant très très fort l'instructeur Ferrouge. J'étais à son événement là ce week-end. C'était au top, 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 instructeur Ferrouge du groupe Capoeira Brasil. Franchement, t'as géré, t'as assuré, c'était génial. Maintenant, aujourd'hui, dans l'audio du mardi, on va parler de la liberté. Est-ce que la capoeira est libre? On met souvent comme synonyme, comme symbole de la capoeira, la liberté. C'est-à-dire l'esclave qui a réussi à sortir de sa condition, qui a réussi à fuir parfois pour aller chercher sa liberté. Et du coup, j'ai eu plusieurs retours sur les audios que j'avais fait précédemment, des personnes qui me disaient que la capoeira n'était pas libre et qu'elle ne l'a jamais été. Et du coup, j'ai trouvé ce point de vue super intéressant. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je pense que la capoeira est libre et pourquoi lui, il pense que la capoeira n'est pas libre? Et du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait dans nos schémas de pensée pour pouvoir voir si la capoeira est libre, si la capoeira n'est pas libre. Le truc est que ce que je diffuse dans les audios, dans les capsules du vendredi, c'est un ressenti. C'est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas une vérité. J'essaie juste de contribuer, d'essayer d'alerter un petit peu les consciences et que chacun après active et se fasse sa propre opinion des sujets que je développe. Donc la capoeira est libre ou pas? Du coup, moi je considère qu'elle est libre. Lui considère qu'elle n'est pas libre. Et c'est super intéressant de voir que le symbole qu'on associe à la capoeira qui est la liberté, en fait la capoeira se rend prisonnière. C'est-à-dire que plus la capoeira s'organise, plus la capoeira devient grande, plus elle a besoin d'une structure ferme, d'une structure rigide, plus ou moins, mais avec un cadre dans lequel elle va pouvoir évoluer, faire évoluer tout le monde. Et en ce sens-là, la capoeira n'est pas libre. C'est-à-dire qu'elle est obligée de répondre à un code. Dans le sens aussi que la capoeira, qui fait la capoeira, c'est la communauté de la capoeira. Donc, on a besoin que les démarches que chaque capoeiriste fait, ou que les actions que chaque capoeiriste prenne, soient acceptées par la communauté. Et en ce sens, la capoeira n'est pas libre, parce qu'elle doit répondre à certains codes, certains critères. Et c'est là où ça m'a alerté justement sur quelque chose, et c'est pour ça que je trouve que la vision de voir la capoeira comme quelque chose qui n'est pas libre est super intéressante. Parce que c'est super constructif dans le processus d'évolution de chacun. J'entends beaucoup dire que la capoeira permet justement cette expression, permet une liberté pleine et totale. Or, si on réfléchit bien, la capoeira ne va pas permettre cette expression pleine et totale. Si, par exemple, aujourd'hui, dans mon travail, je décide de mettre tout le monde dans un badin rose avec un top vert, vous voyez le délire, je fais quelque chose, je mets 5 atabaks et un bénibao de chaque côté et le pendel de l'autre côté de la ronde. Je peux le faire, j'ai la liberté de le faire. Par contre, est-ce que je sais même pas comment on peut appeler ça, ce truc-là, est-ce que ça va être accepté par la communauté de la capoeira? Est-ce que ça va être accepté par les anciens? Est-ce qu'il y a des fondements à ça? Et le truc, c'est que la capoeira me permet de faire, mais elle a ses propres codes qui vont ne pas me permettre de faire. C'est-à-dire que si je le fais, je vais être tout de suite mis sur le côté et mis à l'écart. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, je vais avoir besoin d'une acceptation collective. Et en ce sens, la capoeira est stricte, il n'est pas libre et, comme il a dit, ne l'a jamais été. Parce qu'il y a ce côté communautaire. Ensuite, le truc, c'est que si on ne sort pas un petit peu des codes que qu'on reçoit de la capoeira, on peut pas l'amener dans d'autres sphères. C'est-à-dire, on peut pas l'amener dans d'autres endroits et exploiter pleinement le potentiel qu'a la capoeira. C'est-à-dire, je vais juste prendre quelques petits exemples. L'exemple des compétitions. Si on remonte à l'époque de Bim, de Bashing, les compétitions étaient quelque chose de pas du tout envisageable, enfin, je pense. Le truc, c'est que certaines personnes se sont mis à vouloir aller dans l'aspect compétition. Et dans ça, on peut trouver plein d'autres exemples. Comme par exemple l'évolution des tenues. Maintenant, il y a des groupes qui utilisent des abadas de couleurs avec les cordes, avec les grades, pour pouvoir justement explorer ce côté-là. Et du coup, il y a plein d'initiatives comme ça
qui sortent du cadre de la liberté qu'autorise la CAPROI, de la structure globale. Et du coup, on essaie d'aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et c'est ces prises de liberté qu'autorise la CAPROI qui va la faire avancer, qui va la faire évoluer, qui va la faire se être de plus en plus adaptable, en phase avec son temps, et du coup qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles pour la CAPROI. Mais après, chaque prise de liberté doit être acceptée par la communauté, par le collectif de la CAPROI, qui va accepter et qui va élargir la structure, le cadre de liberté qu'autorise la CAPROI. Et ainsi de suite. Donc c'était toutes ces petites initiatives. Par exemple, si la CAPROI n'était pas libre, moi, j'aurais pas pu faire ces audios-là. J'aurais pas pu faire les audios du mardi, les capsules du vendredi et bientôt les... Je te laisse regarder jusqu'à la fin, je t'expliquerai un petit peu. Je pourrais pas faire ça. Parce que la CAPROI ne m'a pas autorisé à faire ça. J'ai pris la liberté d'utiliser la CAPROI pour faire ces audios, pour faire les capsules. Et du coup, maintenant, d'autres personnes s'inspirent, d'autres personnes qui commencent à faire aussi, qui commencent à proposer des formats comme je le propose. Et du coup, c'est ce genre de mécanisme-là, prendre une liberté, prendre une décision, faire quelque chose qui ne va pas forcément être accepté, qui est hors du cadre, le faire avec fondement, avec respect, et ensuite le faire accepter par tout le monde. Et du coup, ça se passe comme ça. Donc la CAPROI n'est pas libre, mais la CAPROI permet d'être libre. C'est-à-dire que je peux me permettre de faire des choses, mais bien sûr avec le respect de la CAPROI. Et ensuite, si ces choses sont bien faites, si elles sont faites avec fondement, avec respect, la communauté va l'accepter et au contraire, va peut-être la développer. Et voilà, dis-moi ce que tu penses, toi, si la CAPROI est libre, si la CAPROI n'est pas libre, si la CAPROI permet de tout faire, ou il y a des choses dans lesquelles elle ne peut pas du tout aller. Par exemple, chanter en français, comme l'audio du mardi qu'on avait fait la semaine dernière. Chanter en français, est-ce que c'est une liberté que je peux prendre ou c'est une liberté que je ne peux pas prendre? Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font avec fondement excellent. Après, est-ce que ça va correspondre à tout le monde? Non. On m'a parlé, oui, si quelqu'un arrive dans mon événement, qu'il n'a pas d'abada, qu'il n'a pas de tenue de capora, il ne vient pas du tout dans mon événement, par exemple pour le baptême, pour le festival comme ça. Très bien. Mais par exemple, si cette personne-là est angolaise, qu'elle pratique la capora comme ça, avec des fondements, avec une racine, pourquoi pas l'accepter dans son événement? Et le truc est là, ça va juste être une prise de décision, mais la capora permet de pratiquer avec un uniforme, sans uniforme, avec une batterie, trois belimba ou atabak pandel, ou bien un belimba ou deux pandel, ou bien, et ainsi de suite. La liberté, elle est omniprésente dans la CAPROI. Ensuite, c'est la structure globale que la CAPROI a, la structure globale que son groupe il a, et la structure globale que son enseignant a. Donc il y a plusieurs degrés de liberté, il y a plusieurs degrés d'autonomie sur qu'est-ce qu'on peut faire de la CAPROI. Donc, tout simplement pour terminer cet audio, pour moi, la CAPROI est libre. Bien sûr, toutes les initiatives doivent avoir un fondement et un respect pour l'art capoeira. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pense à t'abonner sur Facebook, YouTube, SoundCloud, parce que je te prépare des gros trucs, principalement sur YouTube et Facebook. Je prépare des gros trucs dans lesquels on va pouvoir interagir. Je t'en parle la prochaine fois, je t'en parle très bientôt sur Facebook. Donc abonne-toi, active les notifications, comme ça tu vas pouvoir être au courant. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter pour pouvoir faire grandir un petit peu les audios du mardi, les capsules du vendredi, tout ça pour t'apporter toujours plus de valeur, plus de contenu. Et moi, je te dis à vendredi. Ciao.